Depuis 9 heures, sa famille, ses collègues, ses amis et connaissances se sont retrouvés à l'église paroissiale de Mukuna, à quelques mètres du lieu de deuil. Une messe de funérailles est dite ici pour Moussa Ilou Senke Francis, dont l'assistance, des visages de tristesse, un sentiment ressenti dans différents mots dits pour la circonstance. Monsieur Kisaka, un membre de sa famille, est revenu sur la circonstance de la mort de Lou Senke Francis. Pande wa saa tatu ya usiku alipofika karibu na kwake anakutana wajambazi na kutombe mwambishikate ambapo watu waliobeba silaha wameintimide watu viko na trakase watu wamebaikalisa chini. Anasimama, anauliza, anajiforme kama pale mko nini. Bale bajambazi, bakisha muuliza, juu ya identite yake kama ni kweli kweli ni yeye, bana mfetulia, risasi. Au nom de l'organisation Fistula Programme DRC, Gloire Bakiaoulene, chargée des ressources humaines, a signalé la perte d'un enjeu dynamique. Francis fit un élément clé de la mobilisation au sein de notre structure de santé. Il nouait des relations avec tout le monde, même si c'est la première fois qu'il te voyait. Il ne se sentait pas gêné de t'approcher. Son meurtre a perturbé tout le monde et nous a tous abattus jusqu'à ce que nous continuions à nous demander si réellement c'est Francis qui se trouve dans ce cercueil ou c'est un rêve. Après la remise des signes baptismaux à Moussa Ilou Senke, les cortèges funèbres se dirigeaient au cimetière familial Abou Hika où va reposer à jamais les défunts. Né le 2 janvier 1982, Francis est mort le 23 août 2024, tué par balle par des inconnus. Au nom du partenariat avec Fistula Programme, Moto TV, votre chaîne de télévision, présente ses condoléances à la famille biologique et professionnelle de Lou Senke Francis. Que son âme repose en paix.